Avec toi, avec plaisir.
Merci Sheila et bravo, tu ne veux pas venir avec nous? Je trouve ça formidable, je trouve que c'est une performance extraordinaire de danser un numéro aussi long comme ça, dans un tout petit espace, c'est vraiment le plateau est tout petit. Disons que l'espace est un petit peu petit, mais ça fait rien, parce qu'on bravo, a l'habitude. Bravo, merci formidable. Sacha. Parce que d'habitude tu danses sur un espace un petit peu plus grand, enfin tu changes quoi. Disons que si tu veux, c'est un ballet où on bouge beaucoup, oui. En plus on est 4 personnes à bouger, donc si tu veux comme on se déplace, on demande quand même assez de place, mais disons que ça va, on s'est arrangé, il n'y a pas de problème. Enfin en tout cas, bravo. C'est gentil. Ah oui. C'est Sacha, vrai. J'ai vu tout à l'heure. Moi, je suis admiratif, je te regarde avec des grands yeux étonnés. Je trouve que tu as une veste très chic. Oui, il faut dire. Hein? C'est vrai. Comme je danse pas, donc je rattrape ça comme d'une autre façon. Non, mais on peut peut-être préparer quelque chose. Oui, voilà, si tu veux, avec plaisir. Voilà. Ah oui, tiens. Oui, je vais peut-être préparer d'un nous parlerons à chaque fois que tu viens. Nous parlerons de ça plus tard. D'accord. Pour tes beaux yeux. Bah, tu parlais du regard tout à l'heure, je crois que c'est pour les beaux yeux de Sheila que tu vas interpréter cette chanson, oui, enfin, d'accord? Je trouve que dans le genre, vous êtes toutes les deux bien loties. Enfin, on verra, je vais chanter, je prends ma guitare. Hein, d'accord, d'accord. Bah, tu fais comme tu veux, tu es chez toi. Tu retournes dans ta Sacha, neige. Sacha, quand tu commences à nous chanter pour tes beaux yeux et tes lèvres en bonbons fondant, moi j'ai joué. Toi aussi? Non, mais parce que nous sommes dans un temps d'hiver avec de la neige partout, mais il fait quelque chose comme 45 degrés sur ce plateau. Facilement, oui. Ah, c'est bien, c'est un petit sauna. Non, c'est, non, c'est une question d'ambiance. Oui, c'est parce qu'il faut dire que nous muons beaucoup d'air. Qu'est-ce que tu regardes? Attends, je voudrais lire ce qu'il y a marqué là. Ouh. Ah ben non, tu peux pas, tu vas avoir des histoires. Paris, France. Ah, bon. C'est ton français. Oui, tu as traduit, quoi, oui. Automatiquement. À propos de neige, vous avez un programme neige, là, tous les deux? Moi, pas. Toi, tu travailles? Ah ouais. Oui, moi aussi. Quelques jours quand même de vacances, un peu de ski pour garder la jambe ferme. Oui. Mais disons que... L'œil vif. L'œil vif, oui. Non, mais disons que moi j'ai beaucoup de... Oui, savoir, ça tient. Bref. Encore. J'ai beaucoup de voyages en perspective aussi. D'ailleurs, maintenant c'est bizarre parce que tu sais, avec Sacha, on se croise en principe sur les studios de la télé française. Trop rarement d'ailleurs. Mais disons que maintenant c'est très marrant parce qu'on se retrouve à l'étranger. Alors on dit, oh, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Allemagne, Angleterre, voilà. Mm-hmm. L'un des endroits que tu préfères, l'un des pays que tu préfères? Moi? Oui. Oh, la France. Ça, alors, oui, non, mais je veux dire, ça c'est évident. Définitivement. C'est évident, mais je veux dire, c'est tellement évident on est qu'on bien en parle ici. Plus. Mais tu sais, non, mais tu sais qu'on s'en rend compte quand on va à l'étranger. Voilà. Et quand on revient, on dit, mais qu'est-ce que c'est beau chez nous, qu'est-ce qu'on est bien chez nous, c'est vrai. Ça coûte cher, mais c'est beau. Oui, ça coûte cher, mais ça coûte cher un peu partout maintenant, je veux dire. Par exemple, quand vous allez dans les pays, bon, en dehors des studios de télévision qui doivent certainement ressembler à tous les studios du monde. En principe, on ne voit que ça parce qu'on part très rarement. Hein, moi, j'ai le goût de foot pour le Brésil, mais il y a longtemps que je ne suis pas allé. Non, mais là, c'est très loin. Puis Tahiti aussi, Tahiti, c'est très très bon. Et tu vas à Tahiti pour travailler? J'y suis allé pour travailler. Ça, c'est du courage, parce que moi, si je vais à Tahiti, je ne fais rien, je reste au bord de l'eau, vois-tu. Tu es déjà allé à Tahiti? Non, pas encore. Pas encore. Mais c'est une idée. C'est une grande idée. Voilà, bonne suggestion. Un peu loin, mais c'est une bonne idée. Mais je ne crois pas qu'il y ait de studio de télévision à Tahiti. Non, pas encore, mais ça viendra sûrement. Puis c'est pas, de toute façon, après tout, pas utile. Vous pouvez très bien y aller comme ça. Mais il y a des galas, hein, souvent. Ah oui, on fait des tournées régulièrement. Oui, j'entends parler tout le temps des fameuses tournées à Tahiti. Et Polynésie, oui. Mais c'est bien, tout à ça, mon avis, ça nous fait rêver. Pour le moment, on est dans la neige. Mais oui, ça... non, mais elle est très belle, cette neige. Oui, elle est très belle, cette neige. Puis, de toute façon, tu... Elle ne fond pas, en plus. Sheila, tu dis que tu vas faire un tout petit peu de ski. Puis, de toute façon, tu seras dans la neige avec nous, puisque tu vas terminer l'année de midi première et la commencer avec nous. Oui, en ce moment, on ne se quitte pas beaucoup. Oh non, mais on ne s'en plaint pas. Non, on est très contente. On sera contente de choses. Voilà, les petites... Bon, on va continuer. Mais là, je crois que pour l'instant, peut-être que tu nous chantes quelque chose. Tempérament de feu, c'est vraiment ce qui te convient bien. D'accord. Et puis, je te dis à demain. Au cas où on ne se reverrait pas après la chanson. Tout apprendre et percer tous les lieux.
faire un aveu. On ne se force vraiment pas pour t'applaudir. Comment ? Je dis, on ne se force vraiment pas pour t'applaudir. Ah, bah c'est gentil. Bravo. Les applaudissements sont la récompense des artistes, tu sais ça. Bah, je peux dire qu'ils partent de notre part à tous. Et je sais aussi, derrière le petit écran, du cœur. Bah, j'espère. Voilà. Alors écoute, comme tu aimes les applaudissements, tu reviens demain. Bah d'accord, ça tu n'oublies pas l'heure. Moi, je vous quitte. Mais aujourd'hui. Tu vas venir quand? Mais demain, je suis sûr qu'il y aura quelqu'un de fantastique. Vous n'avez besoin de moi. Mais je reviens à chaque fois que tu me demanderas. D'accord. Bon, alors, on te dit bon voyage, hein, Sacha, et à très bientôt. N'oublie pas, alors, si tu veux de la neige, tu n'as qu'à nous appeler avant, on te la commande. Voilà, je demanderai enfin, pour savoir quelle est la qualité, parce que celle-là, elle colle un peu. Oui, mais elles ne font pas. Oui. C'est quand même un avantage. Trop de cœur, là, parce que sinon, et puis, je voudrais dire aux spectateurs, là, d'abord aux téléspectateurs que nous allons les retrouver demain, comme tous les jours de la semaine, à 12h30, et puis aux spectateurs et à ceux qui habitent Paris et la région parisienne, que s'ils veulent assister à des enregistrements d'émissions midi première, nous en faisons exceptionnellement, seulement ça fait déjà pas mal de temps que je dis exceptionnellement, nous enregistrons plusieurs émissions cet après-midi et ce soir. Il y aura entre autres Daniel Gérard, il y aura également Yves Lecoq, et puis je vous dis au revoir, bon appétit au cas où vous n'auriez pas encore déjeuné. Au revoir, à demain. Bonne journée.